Votre employeur, ces deux derniers mois, vous a trouvé angoissé. Il a préféré ne pas renouveler le contrat. Vous avez autre chose ? Gardien d'immeuble. Vous avez envie de faire ça ? C'est important pour vous ? Ah oui, c'est important pour moi. Nettoyer, dormir et plus penser, je pourrais tuer pour ça, moi. Ah oui, mais vous leur dites surtout pas ça, hein ? Je le trouve très bien. Il est gentil, poli et il n'a pas l'air sûr de lui. Formidable. Mais oui, formidable. Moi, j'aime les gens pas sûr d'eux. Au moins, ils s'appliquent. Qu'est-ce que c'est ? C'est parce qu'il y avait une tâche, là, regardez. Mais il est 3h du matin, monsieur. Ah. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé du salaire. J'imagine qu'il n'y a pas de surprise. Pas de stock option, pas de golden parachute. Non. Bon, ben, ok, quand même. Hein. Enfin, Mathilde, qu'est-ce que tu fais ? C'est cette fissure, là, qui m'inquiète depuis plusieurs jours. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure, là. D'accord, mais on ne la voit plus. Ah, ben non, 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 on la voit voilà, plus. C'est là. Bien ce que je dis, on ne voit plus rien. Antoine, je crois que Serge va me faire interner. Je me sens seule, tu comprends pas ? Personne ne m'aide, personne ! Il n'y a qu'Antoine ! C'est tellement gentil, Antoine. Je sais pas si c'est vous qui m'avez bouleversé ou si je suis dans une phase complètement dépressive. Il est en fond de ce vélo. Parce que t'es en bas, c'est pour ça que c'est galère. Moi, tu vois, ça va. Ça va pas. Je suis là, en train de tartiner du coursin. Sans mieux, je devrais vous dire quelque chose, mais je sais pas quoi. Dites-moi que vous me comprenez. Je vous comprends. C'est pas Vélib, ça ? Non. Mathilde, regarde, il parle tout seul. Oui, j'ai toujours aimé le côté convivial de la fonction. Eh ben, tant mieux. Oui, oui. Comme ça, au moins, il s'ennuiera pas.